On est dans le set de l'école Anatole France, donc on inaugure aujourd'hui, qui est en fonction depuis un petit moment maintenant. Nouveau self, puisque progressivement on équipe maintenant toutes les écoles de la ville en self, parce que ça facilite un petit peu le passage des enfants en restauration, ça aussi les responsabilise, voilà, ils sont, et puis ça facilite aussi le travail du personnel. Donc voilà, pour toutes ces raisons, au fur et à mesure, on en est au deuxième, donc après Becker, et puis il y en a déjà 3-4 qui sont prévus pour les années futures. Pour les enfants, c'est vraiment le développement de l'autonomie, c'est également tous les aspects éducatifs du tri sélectif que vous avez pu voir lors de la visite à la fin du repas. C'est aussi la possibilité de pouvoir choisir le repas qu'on veut manger, parce qu'on fait du double choix, et éventuellement de choisir la personne avec laquelle on veut manger. Et à l'usage, on a vu que c'était un peu lourd sur les plateaux, donc on a changé, on a pris cette matière-là, et les enfants arrivent à mieux se débrouiller avec les plateaux. Pour le personnel, il y a un rapport éducatif encore plus prégnant qu'avant, parce que là, ils sont en contact direct avec les enfants, donc c'est eux qui servent les enfants et qui, des fois, même peuvent orienter les choix alimentaires quand ils voient qu'un enfant prend toujours la même chose. Donc il y a un vrai, voilà, je pense qu'il y a eu un vrai apport pédagogique, éducatif par le biais du self, et aussi la possibilité de faire manger le plus d'enfants possible. En termes d'organisation, donc les filles préparent les couverts comme d'habitude et les repas chauds sont dans les tuves derrière vous. Donc ce qui change par rapport à avant, c'est les conditions de travail pour le personnel, la qualité du service, le bien-être des enfants parce que ça les rend plus autonomes aussi de se servir seuls. Et je pense que vu le nombre d'enfants qu'il y avait sur cette école, c'était important justement de passer au self. Au début, franchement, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas le double choix et en même temps, il n'y avait pas assez pour les enfants. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de remarques. Comme on a apporté des remarques à la mairie. Donc je crois que c'est, par rapport à ça, ils ont fait des améliorations. Le début, c'est normal. C'est un début, donc c'est difficile. Mon fils, franchement, il était trop content le premier jour. Et depuis, il ne veut pas arrêter de la cantine, donc tous les jours. Donc, normalement, je laissais une fois par semaine ou de temps en temps quand j'ai un truc à faire, quand je ne travaille pas. Mais là, pour l'instant, j'ai du mal à le faire retirer de l'école. Et pour lui, tout va bien, il mange bien, et il aime bien, il a grandi, quoi. C'est comme au collège, le self. Mesdames et messieurs, soyez voilà, les bienvenus pour un moment qui nous tient particulièrement à cœur, parce qu'il clôture voilà, l'engagement de travail de longue date. On est rassemblés aujourd'hui à l'école Anatole France pour inaugurer, clôturer 4-5 ans de travaux dans cette école pour un investissement global de un peu plus de 7 millions d'euros. Toute l'école a été refaite et avec un moment particulier autour du nouveau self qui permet aux enfants de manger dans de meilleures conditions avec un accueil supérieur, y compris avec la possibilité d'accueillir plus d'enfants. Au total, c'est voilà, 400 enfants qui mangent dans cette école. Et donc, on a voulu voilà, marquer de façon un petit peu sympathique ce cursus d'amélioration des conditions de l'école dans ce quartier, avec un groupe scolaire, autour d'un groupe scolaire particulièrement agréable, avec de beaux espaces, afin que les enfants puissent être dans les meilleures conditions possibles dans leur cursus d'apprentissage.